Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palworld, sachant que l'objectif du jour ça va être d'affronter tous les boss qui sont à peu près de notre niveau, comme ça va faire un petit peu d'affrontement depuis le temps, et puis en même temps ça va permettre de profiter un petit peu là des nouvelles recrues qu'on a eues dans le dernier épisode qui sont franchement badass hein, pour le coup. Allez, on va switch un peu, je vais mettre lui du coup. Moi switch. Ah mais 4S c'est elle qu'il faut pour faire mais le chapeau. Bien, là, ta main. Mais c'est son chapeau que j'ai acheté. J'aimerais bien la tam, je te le dis si jamais. Ok. Oh là là. Ah mais t'as vu comment je l'ai stun en plus et tout. Enfin je. Lui. Lui là. Stylé. Oh là là, zone... elle va prendre tarif, alors là. Oh ah ouais c'est pas mal. Attention hein, je veux la et tam. Et en plus ça fait du bon dégât de zone le parafoudre aussi. C'est ça l'avantage, c'est pas du mono-cible quoi. Et pourtant chaque cible à mon avis elle prend cher. Ah je vais peut-être enlever le mien bientôt. J'enlève le mien. Moi aussi j'ai enlevé. Vas-y, tame là. Mais du coup je l'ai pas non plus la 4S, je crois si. Je sais pas. Mais vas-y, tame là. Pas, je crois. Non mais vas-y tame là dans tous les cas, mais je me pose la question, moi aussi faudrait que j'y réfléchisse. Après je pourrais toujours revenir et la faire, elle, c'est pas un souci, il n'était pas à côté. Oui, en termes de niveau, c'est vrai qu'ils sont pas. C'est pas les plus gourmands. Ouais. Merde. Non, parce qu'il y a une orbe, c'est la sienne. Trop tôt, hein. Ah. J'arrête de tirer. Non. J'ai mis une verte, je sais pas si c'est... Bah regarde le pourcentage hein, quand tu commences à... En vrai, verte ça doit passer. Hein. Ça doit passer. Martine quand même fait un effort. Hein. Normalement elle va te donner des plumes... J'en ai plus que 3, hein. Ou quelque chose de spécial. Ah mais j'en ai aussi à donner. J'en ai plein à donner si tu veux. J'en ai eu plein, tu sais, pendant mon XP, je t'ai dit, j'en ai ramassé plein aussi ah, dans oui, les coffres c'est vrai, et tout. Oui. Renvoie-en une sur elle et ensuite je te donne. J'en ai plus. Prends par terre. Sur moi. Ok, bon, ça lag un peu, mais tu l'as eu au moins. Mais par contre. Non, tu me dis, c'est combien de pourcents sur elle? C'est 6, hein, tu devrais quand même pouvoir. Hein. Au pire, tu passes sur des jaunes, mais. Peut-être passer sur une jaune, hein. Pas sur une jaune si tu veux, tant pis. C'est pas grave, parce que là, c'est vrai que ça fait beaucoup. Voilà, GG. Voilà. Merci. Bien joué ça. Attends, t'as eu des plumes ou pas? T'as eu quelque chose? Enfin, une ressource précieux, presque d'une pièce d'une ancienne civilisation. Poil précieux. Ouais. Poil précieux. Ah non, il y a rien de 4S, il y a pas un truc poil de 4S, plume de 4S, un truc comme ça. Non, que du poil. Parce que c'est ce qu'il nous faut pour tu sais l'autre chapeau que j'avais acheté. Merde. Ah, c'est pas grave. Ça se trouve elle il fallait la fumer donc on peut revenir dans combien de temps ça arrive. Non mais normalement quand tu la tames, elle te donne les mêmes trucs. Ça c'est plus long, ces donjons c'est plus long à repop que quand ils sont dans la nature. 59 minutes, ouais. Mm. Mince. On va prendre les fluides vite fait sur eux là en passant. Enfin, il y a une occasion de farmer un peu. Okay. Donc, prochain boss. Ça va être le chat là. C'est quoi le TP le plus proche? C'est lui ou lui? Peut-être lui en bas. Bon, un de tes TP, mais tu les auras peut-être pas parce que c'est les îles de droite, tu les avais pas faites. D'accord. Là, je crois. Non, t'avais pas fait ici toi. Donc, ah oui, là j'ai rien du tout. Viens, t'inquiète. Ouais, mais au moins je peux donner les infos de là où c'est, tu vois, c'est l'avantage. Ouais. Allez, bah lui, on va le passer au scorpion alors. Et ici, c'est bon. D'air. Je suis là. Le prochain boss, ça y est, on arrive sur des niveaux un peu plus cool. Hein. Ah, cette attaque, elle est cool aussi, j'avoue. Touche-le quand même. Attaque-le, ouais. Ouais, j'ai mis une balle. Ok. Pour être sûr. Tu savais, je voulais laisser juste le tien attaquer pour voir les dégâts. Tu veux pas le time hein? Non. Mais toi si tu veux vas-y hein. Si je l'ai à la bleue, je le prendrai sinon, tant pis pour lui. Allez c'est fini. Ah non il a loupé. Ah. Ah il a encore loupé. Oh. Oh. Mais quoi? Mais il triche un peu là non? C'est autorisé ça? Apparemment. Est-ce que c'est autorisé? 27 d'XP. Oui ben c'est pas un gros boss. Moi j'ai eu 900 mais... allez, on va te faire prendre la TP. Le prochain, c'est niveau 31. Ensuite 38, d'accord. Et je pense qu'on se tentera le 45, parce que je pense que même si on est sous level, vu les petits gars qu'on vient de tame, à mon avis, ils peuvent faire des trucs un peu plus haut que leur level. Hein. Ouais. Je pense. Donc on se le tentera quand même. Regarde, c'est lui le prochain. Oh, il est trop cool en jaune. Bah, tu le veux?
Ouais, je peux bien. Alors, je promets rien. Je ne maîtrise pas encore tout ce qui va se passer. On verra. Ah, ça va, non, ça va, regarde, il y a eu le tank. Ah, par contre, ça, on va voir. Oh là là, mais c'est une mitraillette en fait qui part de toutes ses balles après, j'adore. Et t'oses même pas mettre ton. J'ose pas parce que je me dis, il va le finir. Juste pas qu'il fasse sa grosse attaque quoi. Non, je vais l'enlever peut-être. Hein. Non, reviens, reviens. Il commence à être tendu là. Il est pas mal le petit Arrête, Romain. Arrête. C'est pas moi au moins. Au moins c'est toi qui tue le tien. Parce que, au moins il n'y a pas de. Ouais. Rien, il roule encore. Au revoir mon gars. Il y a un shiny derrière, tu veux? Salut. Ouais, je vais le prendre. Un petit shiny. Ah, je pense avoir le temps de tirer. C'est bon. Les autres pour non, les euros. Non mais je vais abandonner les timings de boss, hein. Je pense qu'il vaut mieux leur péter la tronche Bah le prochain, ça va être autre chose. Le prochain, niveau 38, il y a moyen que là, bah, c'est mon level quoi actuel, donc... un peu plus haut que toi. Galère un peu. Bien que tu m'as bien rattrapé, hein, vraiment c'est cool, t'as bien XP hein, aujourd'hui encore. Ouais, j'ai essayé d'XP pour avoir une différence un peu moins importante. Non mais en vrai là c'est cool. Hein. C'est pas mal. Et là, j'ai hâte qu'on fasse vraiment des gros boss et que tu sais, on envoie vraiment nos meilleurs là. Ouais. Tu me ressortes le gros là. Et là, il n'y a pas une tour là qu'on pourrait faire Peut-être, hein, je sais pas en vrai. En vrai, les tours, il y en a une désert qu'on n'a pas fait, il y en a une neige et il y en a une volcan. Mais Ok. Ouais, honnêtement, je pense que c'est quand même au-dessus de notre level. Quand je vois les boss à côté, ils sont tous. Dans les trois zones, les boss qui sont à côté sont niveau 47, etc. Ouais. Donc je me dis, si la tour c'est pareil, c'est chaud quand même. Ouais, je vois. Il doit être en dessous. Pause. Il est là. J'arrive. Ah, c'est le même qu'il y avait d'ailleurs sur les îles là où on a été. Ouais. Ah, tu vois, lui, mine de rien, il est tanky. Voilà, attaque mon grand. Regarde, même son ulti là, il a pas fait tant de dégâts. Hein. Aïe, ah, mais c'était pas à nous ça. Ah, Blazamout. Avec cette attaque qu'on ne connaît que trop le bien fameux. Avec notre. Ah, par contre, vraiment, l'orbe de feu elle est monstrueuse. Hein. Il y a que lui que j'ai vu envoyer une orbe de feu aussi grosse mais par contre. Il ne fait pas le. Ah oui, d'accord. Non, c'est une orbe. C'est une orbe comme le Shadow, c'est une orbe, comment ça s'appelle? De ténèbres qu'il envoie, c'est pas une orbe de feu. D'accord. Alors peut-être que le lion de feu l'envoie, celui de feu uniquement, je sais pas. Mais le Blazamout en tout cas il envoie un truc, c'est énervé. Hein. Mais par contre la zone de sol aussi qui fait la même que le... Tu vois c'est cette orbe là, c'est pas la même. Ouais, c'est vrai. Mais elle est vraiment stylée cette orbe pour le coup. À la fin. Ouais j'avoue. Ils sont dessus. Bravo frérot! Ouais, mine de rien, il a pris un peu de dégâts. Hein. Ouais, donc il va retourner dans la Pokéball. Hein. Et on va se tenter Allez, hop, un niveau 45 là. Voilà, ça va pas être la même, hein. Va falloir faire attention. Après, c'est un type eau, j'ai un type électrique, ça c'est l'avantage. Au actuel. Ah! Mais moi, à tout moment, il peut m'éteindre. Le problème, c'est que. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que. Bah en fait, il est quand même assez sensible, on a vu. Hein. Celui-là aussi, il a une bonne attaque, mais pas beaucoup de défense, donc on va voir. Mon type électrique, tu sais. Ouais. Alors, il est où par contre? Parce que là, il va être dans l'eau, là, en plein milieu. J'imagine. C'est la crevette, comme tu dis. On va voir ce qui. Ce qu'il en dit là, quand il est en face. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est là, le boss, mais il y a le même qui est beaucoup plus à gauche de la map. C'est exactement le même. D'ailleurs, on a pas mal de boss aussi là-bas. Hein. Ah ouais. Mais bon, j'en fais la droite. Il est là. Oh bon, la voilà, la crevette. Belle crevette. On pourra tenter de la tamer, la crevette. Si tu veux. Tu voudrais la 45, tamer hein. Ou je la tame? Non, vas-y, ouais, mais. Que...
Ah, j'ai quand même retiré, j'ai eu un peu peur de son attaque. C'est quand même un attaque niveau 45. Ouais, mais moi, je vais faire pareil que toi. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il va dans l'eau. Attends, mais il vole? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là là, les décharges. Il est tout petit là à côté, mais. Ouais. Il veut s'en prendre à lui direct. Ouais, je pense que ses attaques, ils ont un long cooldown aussi. Non, mais par contre, viens pas sur moi, s'il te plaît. Oh, je suis caché là, je me suis abrité. Et il lui a rendu le feu. C'est vrai que c'est impressionnant quand même, ça aussi. Hein. Il y a vraiment des attaques très impressionnantes dans tout ce qu'on a là. Hein. Ouais. Vraiment, les attaques sont badass. Hein. Et ton Blazamout, moi c'est vraiment son orbe de feu que j'adore là. Surtout quand elle explose, tu sais, il y a vraiment une sensation d'impact. Oui. D'explosion, tu sais. Bon, il est faisable, hein. Il nous a pas tué un seul pal encore, donc on a encore de la réserve en plus, donc moi, ça va. De temps en temps, Blazamout quand même. Ouais. Alors, moi, c'est pas trop fait focus, ça va. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'on a pas mal de pales en réserve qui sont encore badass aussi s'il faut, donc ça va. Ouais. Allez, hors cercle. Ah, c'est pas la meilleure attaque que t'as choisi là, mon pote. Hein. Ah bon, il a fait ce qu'il a pu. Il est à moitié au niveau de ses PV quand même, en Blazamout. Hein. Ouais. Le tir fait le ta. Oh là! Ouais, il est. Allez, on va le changer. Oh, le beau gosse qui arrive. En fait, lui, je l'aime bien parce qu'il est petit, tu vois, mais. Tu sens que quand il arrive, il vient pas pour rigoler quoi. Ouais. Surtout que d'entrée, il fait son ulti et tout. Bon, je dis un ulti, mais bon. Ça, c'est pareil, c'est super la flèche. Ces autres attaques, elles mettent quand même un peu de temps aussi, ouais. Ah, il a faim. Je te nourris après. Finis le combat d'abord. Je vais tenter de le tam dès que. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Alors, je trouve j'aurais buté entre temps comme d'abord me connaissant. Ouais, je vais peut-être pas tarder à retirer moi parce que selon l'attaque qu'il fait, ça peut être dangereux. On verra. Vas-y, c'est pas grave. Si je peux pas l'avoir. Je laisse gérer la suite. Ah. Ils sont très fins ceux-là. Ok, par contre, il est obligé de me focus moi. Au bain des bois, il me fume. Au moment que je recuise d'autres trucs pour eux, parce que là. Ah, c'est plus long quand c'est pas eux qui attaquent, hein. Le mammouth à le l'action. Fameux. Il est sympa ce petit mammouth, j'aime bien moi. Oh, j'aime bien aussi. Ça se voit que c'est un bon gars. Peut-être bientôt pouvoir tenter. Faut encore descendre un peu la vie, mais. Je me dis encore une attaque et. Il lui met encore une attaque et puis je le. Ah, fais gaffe parce que le une attaque elle peut. Faire mal, hein, ouais, je pense. Ouais, genre celle-là, tu vois. Parce que là, attends, je tente. 360 PV, est-ce que c'est pas encore. T'as combien de pourcent? 0,56. Avec la rouge? Ouais. Ah oui, c'est. Ah non, 0,24, pardon, oh là là, j'ai même. Ah, encore pire. Encore pire. C'est un peu technique là, du coup, hein. Ouais, on va pas se mentir. Ouais. Surtout que vu qu'on a plus de pales pour tanker, je t'avouerai, je tanque une autre attaque et je suis mort. Hein. Bon, je retente le mammouth, s'il le bute, tant pis. Je vois s'il peut pas le descendre encore un petit chouille. Même où ça va, il sait pas ce qu'il doit faire là, il y allait. Bah tu m'étonnes, tu vois le bestiau en face. Ouais, je suis plutôt d'accord. Hein.
Allez, j'essaye. Tellement peu de chance de l'avoir. On va pas se mentir. Hein, la récompense n'en sera que plus grande. Ah bah là, c'est sûr. Hein. C'est vrai qu'il est immense par contre. Hein. Ah ouais. Tu vois le mammouth à côté Oui. Ça va, j'ai repris un petit peu de bouclier voilà, déjà. 95. Ah, les munitions. Balle de pistolet, bah c'est bien. Oh. Ah, il a eu un premier tic. C'est bien déjà. Bon signe. Laisse pas faire. J'essaie de lui en foutre une à chaque fois. Ouais. Je remets aussi à chaque fois au milieu, mais il lui reste pas grand chose. On fait un PV, on est d'accord, là je lui remets pas de... On lui fait 5 PV alors... Ouais, 36... Ouais, rapide cette attaque. On va laisser à 5 PV à la fin. Il y a un mouton qui va débarquer, qui va lui en coller une. J'avoue. Ce PV, mais pas une tête, hein, par contre. Ouais. Hop, c'est bon, j'arrête. Allez. Moi, je touche plus. Allez. Histoire de. Je ne touche plus. Je suis à 0,31. Waouh, c'est grave, hein. Oula, par contre, ouais. Oh, c'est l'armure, compliqué, là. Elle a pris cher. Hein. Eh ben, je pense que ça va être cuit, hein. Peut-être pas trop de notre level aussi, hein, faut dire les choses. C'est toi qui dis ça alors que t'as eu un magnifique... Oui mais là c'est un boss niveau 45. Un boss niveau 45 c'est beaucoup plus dur à tame qu'un mob normal. Bah tiens tu l'as eu piégé. Tu disais quoi? Bah un boss niveau 45 c'est plus dur à tame qu'un mob normal niveau 45. Ouais, il a eu divinité aquatique. Parce que ça reste quand même un boss hein. Je sais. C'est vrai que moi j'ai pas regardé les passifs aussi mes trucs mais je crois que j'avais dit que ça avait l'air pas mal genre ça là par exemple. Les dégâts de type foudre augmentent de 20%. Bah ouais, il a deux foudres presque. Je devrais lui mettre un troisième du coup. À la place du souffle draconique. Oh, je regarde ce que c'est. Parce que. C'est quoi? Trois éclairs au-dessus de l'ennemi. Un éclair qui se déplace en ligne droite. Ça, c'est pas mal. Hein. En vrai, l'éclair horizontal est pas mal. Hein. Vu qu'il a un buff dessus, je pense que je vais mettre ça, ouais. Bonjour. Oh, Geneviève. Bonjour, bonjour. Tu me diras, bah toi avec le feu, tu vas l'allumer normalement. C'est de la glace. Sans mauvais jeu de mots. Elle n'ose pas trop l'allumer. Bah il faut tirer allez, en fait déjà. Allez, t'as le droit de l'allumer, Geneviève. C'est vrai que je vais tu plus... peux. Ouais. Allez, t'as le droit. Ah mais parce qu'il s'amuse tranquillement parce qu'il sait que la première attaque, il va le one shot. Je le sors. Ah, vas-y. Voilà, là il y a Geneviève. Geneviève qui m'a fait du mal. Voilà. Oh. Boum. Oh là là. Attends, mais il a pas fini en plus. Oh là là. Oh là 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 là. La petite Geneviève. Je sais pas si je laisse celle-là ou. Je vais la changer, je verrai au prochain boss laquelle je laisse pour lui. Je sais pas si je mets. L'éclair horizontal. Oh, je l'avais là. Bien, le tir étincelant, je suis plus sûr de ce que c'est en fait. Et vu que. Il lui demande moins, je pense qu'il peut la tirer plus souvent. Donc ça peut faire une attaque entre deux tant qu'il a pas autre chose. On va tester. En tout cas, GG, on enchaîne. Ça c'est clean encore. Comme ça, on fait hein, tous les boss là de la zone. En vrai, on a une TP pas loin. On pourra se TP au prochain qui est niveau 38. Allez. Ok. Ouais, si c'est lui que j'ai eu dans un œuf, moi. Non, je peux le récup. Bah oui. Merci, si je fais ça normalement, il y a marqué capturer. Ouais, c'est ça. Ça permet de vérifier. Je prépare. Ah, j'ai un bug. Oh non. Tu me dis. Je suis dans les airs. Dis-moi quand c'est bon. Je me vois dans les airs. Ouais.
que tant que tu peux envoyer une Pokéball, bah, c'est bon. De toute façon, je suis dans... Non, mais j'ai un bug. De toute façon, je pourrais pas faire. Vas-y, je peux me débrouiller comme ça. Ouf. En gros, dis-toi que je me vois pas, je vois mon dos constamment. Ah. Un peu chiant. Du coup, c'est chaud pour envoyer la Pokéball, non? On va voir. Je l'envoie. Ah, t'y arrives, hein. Mince. Ouais, mais je vois pas ses PV et tout. Bah, pas besoin de voir ses PV là, t'inquiète. Il le touche plus juste. Comme... Ok. J'envoie de la verte. Voilà. Ouais, t'as 1% avec la verte. Je pense que tu peux passer à la jaune. D'accord. Ouais, 7% à la jaune, ça devrait le faire. Ok. Pas trop perturbant de se voir comme ça. Ah, on va faire un restart vite fait après. Ouais. C'est bon, GG. Oh, super. Ma première capture, Kitsune. Bien joué. Allez. Bah, une plante, tu vas encore l'ouvrir. Hein. Ah, mais d'ailleurs, c'est lui. Le 78. Ah, c'est lui. Ouais, c'est lui. Faut tirer voilà. Pour que ça attaque. Oui, c'est vrai. N'oublie pas. Je sais pas, j'ai trop l'impression qu'il va se passer des folies. Alors j'attends de voir l'attaque juste électrique, j'espère que tu vas pas trop le tuer vite. Bien, c'est quand même un haut niveau. Il a fait là, j'ai même pas vu. Ah oui, si, c'est celle-là. Non, mais c'est bien celle que je pensais, je l'aime pas cette attaque. Ah, tu l'aimes pas? Non, non, non. Je vais lui remettre l'autre qui était bien mieux à mon sens. Donc c'est coup de foudre. Et laisse-moi tranquille là. Donc ça, c'est... non, c'est tir étincelant que je vais enlever. Voilà. Adieu Pétalia. Non, c'était pas ça. Moi j'ai pris son truc dans la tranche, par contre ça m'a fait mal. Ouais, tu m'étonnes. Donc c'est tir étincelant, donc je vais remettre le triple éclair qui était bien. Non, pas le triple éclair tu as. Bon, en vrai le triple éclair est pas mal non plus, mais... je préfère l'éclair horizontal. Ok. C'est vrai que le triple éclair sur du mono-cible, en vrai, c'est pas dégueu quand même, mais bon. Après, là, je lui aurais laissé le souffle draconique, il aurait pu aider par contre contre lui, mais bon. Ok, donc ça c'est fait. Prochain, Elisabi, niveau 31. Pas très loin de là non plus. Comme ça, on fait tous ceux qui sont dans nos zones. En gros, il restera plus que les zones neige, désert et volcan, tu sais, les boss à faire. Ok. Et Anubis, les parce tours. Qu'il est un peu 47 quand même dans notre zone. Ouais. Mais sinon, tous les autres, je nous fais toute notre zone, quoi, directement. Du coup, c'est moyen que t'aies pas encore la TP non plus. Vas-y, vas-y, je vais regarder. Je l'ai fait débloquer au moins toutes les TP. C'est quelque chose de plutôt proche, ouais. C'est quelque chose qui est plutôt proche, quand même. C'est au nord de ma position, si jamais, hein, j'y suis pas. Ah. Bah, en fait, la TP n'est pas collée au boss, quoi. D'accord. C'est au nord de ma pose, ouais. Bah écoute, elle est pas au-dessus, j'ai pas trouvé d'entrée de ce côté ni de l'autre, je sais pas où elle est. Hein. Soit il y a vraiment une grotte mais qui est bien cachée, soit... soit là c'est peut-être... une espèce de truc fermé, trop bizarre, mais c'est fermé quoi. Ah. Soit peut-être elle a spawn en haut mais elle a bougé, ou... Ah, Elisabi. Là? Bah j'ai son nom dessus. Bah viens voir, est-ce que c'est pas là? Mais là, c'est trop chelou le truc. Là, je l'ai plus, ça y est. Regarde en bas, là, comment ça fait. C'est trop bizarre. Ah ouais, j'avoue. Ouais, je sais pas. Un truc qui... Là-haut, non. J'ai son pseudo, mais ouais, moi, je pense qu'elle est en dessous de nous, du coup. Mais alors, comment on rentre comment on va? Ah oh bah attends, c'est pas possible, comme c'est quoi ce bordel. Bah déjà t'as son pseudo, donc ça veut... À moins qu'elle ait bugué qu'elle soit sous map. Alors j'avais son pseudo, je l'ai plus. À moins qu'elle soit buggée et qu'elle soit sous map, ouais. Bah ça, vu c'est comme possible, c'est, je pense qu'il doit y avoir une grotte quelque part, mais je...
trouve pas l'entrée. Ça, c'est une grotte normale. Attends, je vais tirer. Ouais, bah tant pis pour elle, hein, si c'est que ça. Bah ouais. Tant pis. Next. Est-ce que, en passant, tu veux qu'on tente Anubis quand même? Bah si, si tu veux, oui. Il risque de nous éclater, lui. Il est juste au-dessus. C'est un 47, hein. C'est vrai qu'il risque de nous fracasser la gueule. Bah, de toute façon, TP ou pas TP, c'est juste à gauche. Je sais pas si je vais pas y aller direct. Ouais. Je sais pas si la TP serait plus rapide, quoi. Non, mais c'est juste que moi, j'envoie une à débloquer. Donc, ah oui, pardon, oui. Oui, bah oui, j'en profite. Allez, bah écoute, on va prendre celui électrique contre lui. J'ai pris j'ai remis le triple éclair finalement. Je me dis que sur les boss, ça peut être pas mal. On va voir. Oh. Alors, ça, je l'ai pas trop. Je l'ai pas vu arriver celle-là. Ah, moi non plus. Ah, je l'ai pas vu arriver cette attaque. Il a one shot. Aïe. Il a one shot. Ah ouais, je l'ai perdu direct, hein, sort, one shot. Oh, putain. Ah oui, d'accord. Bah j'ai vu arriver l'attaque, j'ai fait le truc, mais trop tard. J'ai encore le bug visuel. Très chiant. Ah mais en plus on a redémarré quoi, donc là c'est chiant. Ouais. En fait c'est vraiment zoomé sur mes fesses quoi. C'est zoomé sur mes fesses de fou et... Je vois que dalle hein. L'attaque il a fini pas là par exemple, tu l'as retiré. Ah effectivement ouais. Oh, ça doit durer longtemps. Ouais il est difficile lui hein. Ouais. Très contente de l'avoir eu dans un 9. Ouais après il est niveau 47 hein, c'est un des derniers boss qu'on a. Mais après le problème c'est qu'il y a beaucoup de boss qui sont 47, 48, 49, 50. Genre vraiment... Bah tous ceux qui va nous rester ça va être que ça maintenant. Sauf je suis les 3-4 qui nous restent à faire maintenant qu'on va juste terminer. On devrait se barrer alors hein, et Ouais, laisse tomber. On y reviendra. Ouais. Ah ça c'est chiant souvent quand je monte dessus, je sais pas pourquoi. Et ouais, et là je risque de mourir à cause de ça. Mais il fait son attaque quand je monte dessus alors que j'ai pas cliqué ou quoi, je suis juste monté. Mais ouais non, il va nous rester bah au désert s'il y aura du 44, 45, mais bon, à faire quand même plus tard. Alors dans la neige, ouais, c'est 46 minimum, après 49. Et par contre, ouais, la lave, c'est 48, 49, 50 aussi. Non, là, il nous reste concrètement bon, bah, celle qu'on n'a pas trouvée. Sinon, on a un niveau 30 et un niveau 25 à aller se faire tranquillement. Et on aura fait bah, tout hormis les trois zones endgame, quoi. Donc okay. C'est cool. Et je pense que ouais, je pense que t'as la TP en plus. Ah, mais il y a lui, là okay. Aussi. La TP, à côté de la TP où tu vas, il y en a un aussi, j'avais pas eu. Ah bah... Comme ça, on terminera là-dessus. Comme ça, on aura clean un petit peu. On aura bien utilisé nos petits monstres. Mais là, tu vois, le War Sect, par exemple, je pense qu'il aurait pu bien tanker contre Anubis. Peut-être le Scorpion aussi, en vrai. Oui, c'est possible. Peux-tu mettre le Scorpion direct contre lui? J'ai un peu oublié, merde. J'avoue. Ah bah... C'est Quivern. Ah bah Quivern, je veux bien Quivern. Oui, j'ai ah mais je suis comprendre. Tellement bugué. Mais vas-y, je te laisse. Je touche pas le sol et tout, c'est trop bizarre, je suis gigantesque par rapport à toi. Ah, c'est chiant ça. Ouais. Ah bah attends, mais Quivern, oui, elle est toute petite en... Ah oui, en niveau, ouais. Oh là là, ouais, alors attends. Ouais, alors, c'est toi qui va t'en... Qui la tape. Ouais. Et moi, je vais la récupérer. Parce qu'en fait, j'ai peur de lancer le mien et de la fumer en 2 secondes. Bon, moi je trouve ça marrant. Hein. J'aime bien le voir à l'œuvre, le tien. Ouais, mais. Le problème, c'est que ça finit mal, quoi. Après, ça dépend les types, encore une fois, pareil. Il a l'air un peu tranquille, hein, mon scorpion, il a un peu de mal. Hein. J'ai trop du mal à viser. Hein. Bah, ouais, c'est chiant, ouais. Je suis vraiment gigantesque. T'es un boss. Ouais, c'est ça. Faut faire gaffe, enlève-le, je pense. Ouais, ouais. Ouais, je vois pas du coup ce qui se passe quand je fais ça. Il y a du poison autour de toi, il est okay, plus. Oh là, là. Là, tu peux la capturer. Je m'en fous, j'ai balancé une rouge. Non, mais pas une rouge là-dessus, par contre, je t'abuses. La voulais, oh, t'as intérêt de la one shot là, moi je te le dis. Hein. C'est bon, c'est passé, j'ai de la chance. Non, c'est pas de la chance à ce niveau-là. La rouge, t'avais 100% de chance. Utilisez comme oreiller, il vous fera vous sentir au paradis.
Quivern a un sommeil agité. Elle vous écrasera et vous y enverra littéralement. Mais... Bah voilà. Tu vois, tu choisis bien mes pales. Ah oui. Non mais tu vois, là, il tire encore. Je sais pas pourquoi il tire, là, des fois. Parce que... Non mais vraiment, là, j'ai pas cliqué, c'est sûr. C'est sûr que j'ai pas cliqué. Donc là, TP ? Ouais, TP au sud. Il nous en reste 2. On aura bien, bien clean, là. Comme ça, en fait, là, ce qui est cool, c'est qu'on peut se dire que maintenant, on va arriver dans une phase où il va falloir surtout XP, nous-mêmes. Donc, c'est un peu ce qui nous reste. Genre PEX. Faire PEX nos créatures. Trouver la compo qui nous va bien. Et préparer, c'est en fait, parce qu'il va rester que des boss. On peut réessayer de relancer, hein, si tu veux. Non, non, mais t'inquiète. Et il va nous rester que des boss à affronter ensuite qui sont un petit peu énervés. Que ce soit les boss comme ça ou les tours à gérer, quoi. Donc là, on aura des vrais combats, quoi, sur tout ce qui va rester après. Wow. Donc ça va être cool, quoi. Ça donne envie pour la suite. Wow. Mais d'ici là, ouais, faut qu'on monte tous les deux. Faut qu'on soit au moins dans les 45, je pense, avant de faire après les prochains boss. Ouais. Va falloir monter. Attends, elle est où ? Phase XP, quoi. Ok, elle est là. Je comprends pas trop. On est pas loin normalement, mais. C'est pas la zone. Non, du coup, c'est au-dessus. Il y a un trou là, est-ce que c'est pas. Ouais, est-ce qu'elle serait en dessous dans un truc ? Je descends pour voir. Parce que là, encore une où on va la galérer. On va galérer à la trouver. Il y a une grotte, un truc comme ça encore. On avait vu un truc comme ça, un boss, je sais plus où, il y avait oui. Une grotte, mais un passage, mais. Peut-être là. Est-ce que j'ai un truc? Non, je vais même du côté de l'eau pour voir s'il n'y a pas une espèce de grotte, mais non. Petite planque. Tant pis pour elle aussi, je crois. Ça. Ouais, ils sont chiants avec leur. Non, mais ça se trouve, chez Easy, elle spawn avec le camp, et vu qu'il y a le camp, ça a ruiné le truc. Si c'est une grotte ou quoi, franchement. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit là, genre ici, ouais. Vas-y, je passe la dernière, hein, du coup. Ok. C'est pas gravissime, surtout que c'est pas des boss. Non, mais on peut toujours les refaire par la suite, genre en mode on repasse devant. Oui, on pourra essayer, mais bon. Au pire, si on les fait pas ceux-là, c'est pas trop grave. C'est histoire de faire le 100% de ouais. Tout, quoi. Bah, ouais, je suis d'accord, ouais. On veut tous les capturer, tous les affronter, tout ça, tout bah, ça. Bah, oui. Les relaxos russes, ça pousse dans les arbres maintenant. Ah, ouais. Ah, ouais. Pas mal ces trucs. Ok, je suis quasi arrivé. Faudra que je vois parce que j'ai quelques statues, je peux peut-être monter à 8 là sur 10, ce serait vraiment fou. En force de capture. Ouais, elle, ça doit être là. Mais du coup, la grotte est quand même assez loin du spot, hein, donc ça se trouve, les autres, c'est pareil. Hein, les grottes étaient bien planquées et c'est tout. Hein. Alors attends, j'arrive. Moi, je t'attends à l'entrée, hein, parce que. Tu te perds pas. C'est juste là, c'est dans l'eau. Ah ouais. Bah, ça se trouve, c'est pareil les autres. Hein. Peut-être, hein. Sympa la petite grotte. Je crois que c'était celle-là où on était rentré à non et qu'on l'avait vu, on s'était dit ah mais on n'a pas encore le niveau et tout. Non je crois pas. Non je sais plus. C'est un truc du style. Ça en me tout dit cas. Rien vers l'eau mais en tout cas c'est un délire ouais, comme je ça sais oui. Pas. Ouais c'était un délire comme ça en tout cas. Allez vas-y envoie. Dans Son of the Forest ou quoi? Il y a des chauves-souris qui vont sortir. Bonjour madame. On voit ton type feu contre... Quoique elle est haut et plante, du coup moi je sais pas ce qu'il faut en penser. Hein. Oh là là. Bon, j'en oh pense là que le combo oh des deux en tout cas ça marche bien. Hein. Fonctionne très bien. La Zamout. Oh là là. Nice ça. C'est beau. De toute par beauté. Contre j'arrive pas à looter. Ah parce que je suis full. Orbe draconique, vas-y je récupère. Ouais vas-y. Hein. Pourquoi je peux pas récupérer? Parce que t'es full aussi. Non je suis pas full mais en fait moi je suis au dessus de tout. Ah. C'est très bizarre en fait, je suis en mode... Ouais. Oui bah au pire... pas trop grave hein, c'est de la viande. Ok. Voilà.
Ok, et eh ben écoute, voilà, on a fait un peu tout ce qu'il y avait là dans ces zones-là. Est-ce que... On est combien, 30 et quelques? On a tenté, bon, lui, le 47 qui passait pas. Bon, lui, c'est 44, mais un peu loin, je pense qu'on enchaînera quand on fera cela. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, ouais. Ça aurait été un bel épisode, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez. Hop. Retour base, maintenant. Tranquillement. Mais je me demande si je vais pas, par contre, remettre... à voir. Est-ce que je remets le voir sect? Ou alors, puisque j'ai plus de type feu, vraiment. Je pense que le scorpion, je vais le faire sauter, en fait. Ah ouais? Bah... Je sais pas quoi en penser, en fait. Je sais pas. Après, ouais, j'avoue qu'il a, il avait l'air quand même tanky sur le papier. Bah, c'est pas ma faute, mais ses attaques, elles sont pas extraordinaires, j'ai l'impression. Il a une bonne... il a des bonnes stats d'attaque, tu vois. Quand tu regardes son attaque, il paraît même meilleur que... Bah, que le Shadowbeak. Shadowbeak, je sais jamais. Ouais. Mais au final, quand tu le vois à l'œuvre, je suis en mode, je suis désolé, pas fou, hein. Donc je sais ouais, pas. Non, je suis d'accord, c'est celui qui m'a le moins plu là de toutes les attaques que tu faisais. Alors je que même au voir sect, franchement, il m'a bien aidé pendant bah, la plupart des combats. En fait, il est très tanky à tous les types, en gros, le voir sect, donc il est très cool. Et sinon, ouais, il y avait quand même aussi le Blaze Hall qui restait quand même violent, on va pas se mentir. Hein. Je sais pas trop. Je vais partir sur le Warsec quand même. Mais bon, je l'ai toujours là. Hein. Il est, je serai voilà, sujet à le rechanger éventuellement. On verra ça. Ok. Donc il faudrait que je le soigne et puis c'est bon. Juste le garder là pour me souvenir que c'était lui dans ma T'as compo. T'as pas des œufs à ouvrir pour la fin d'épisode? Bah, je vais aller voir, hein, pas bête. En fait, je sais plus à qui ils sont les œufs qui sont là. J'en avais mis un énorme. Ouais, mais je crois que lui, ça va être la même chose encore le volant, mais bon. Ah ouais, en fait je crois qu'il y a que lui là-bas. Après ça va faire pex un peu. Hein. C'est ça. On a des trucs. Donc on a des trucs qu'on n'a pas fini. Oh bah la 4S tiens. Oh bah. Bah du coup c'est ma, ouais, c'est ma première capture, c'est ça. Ouais. Je l'avais pas eu, c'est bien ça. Du coup c'est bien que je l'ai eu là. Ok, le dernier. Oh, ils sont pas mal, ouais, mais bon. Oh, ok, tu commences à en remettre. Ouais, bah je n'en ai que deux. Hein. Ouais, bah tiens, je t'en mets un aussi. Jamais tu en as, vas-y. C'est okay. Pas énorme, c'est des petits. Et là, niveau XP, on en est où? Bah écoute, bientôt niveau 39, hein, donc bah je vous dis, la prochaine fois, bah, je pense qu'on aura pas mal farmé entre-temps. Là, je pense que vraiment, notre objectif, c'est de farmer à fond l'XP d'ici le prochain épisode. Pour soit affronter des nouveaux trucs, soit bah, pouvoir crafter aussi de nouvelles choses intéressantes, tout simplement. Mais sachant qu'on a déjà vu même certaines armes et tout, donc en vrai ça va plus être des selles, des trucs comme ça. C'est vrai que là j'ai le réfrigérateur, mais j'ai un peu la flemme de le faire lui pour l'instant. Je trouve que ça coûte cher en fait pour ce que c'est, alors qu'on a quand même la petite glacière qui est ok. C'est le top, mais, ouais. Mais ouais, en tout cas il y a un frigo qui existe vraiment, enfin... Qui congèle. On pourra toujours le faire vers la fin pour voir ce que c'est. Oui, mais bon, voilà. Non, après, là, en vrai, qu'est-ce qu'on attend finalement dans les prochains crafts? Moi, le minigun pour le Grisbolt, ouais. La petite lance à tester, ouais, à côté, pourquoi pas. Bon, la selle pour finalement la Wyrm de glace, je suis pas sûr qu'on le fasse, puisqu'on va sûrement passer à autre chose rapidement. Le Terra bouclier, ouais, qui va nous mettre plutôt pas mal. Sphère légendaire, mais alors, bon, voilà. Mais surtout la fournaise électrique, qui va nous faire passer un cap et qui va nous permettre de faire l'armure en paluminium. Ah ouais. Après il y a le lance-missile aussi pour le Relaxorus Luxe. En fait c'est comme celui du Relaxorus je pense. Et puis ici la selle pour le Shadowbeak que j'attends. Et après on arrive vraiment à la fin en fait. Hein. Avec des trucs qu'on n'a pas vu mais ce sera sûrement pour... bah pareil hein, les dernières montures qu'on n'a pas encore vues. Sachant que dans le Paldex hein, il nous en manque plus qu'un à savoir ce que c'est. Mais c'est en vrai. Réalité, je vais pas le dire, mais je sais ce que c'est. Ah ouais? Ouais, parce moi, qu'en je fait. Sais pas. Mais en fait, je le sais parce que tout simplement, je l'ai croisé. En fait, c'est un boss si tu veux. Mais dans tous les cas, ouais, les derniers, le Frostalion, il a l'air incroyable en monture volante.
Les deux là, je crois que c'est c'est aussi des montures au sol qui ont l'air vraiment stylées. Là, on commence à voir. Bah, forcément, c'est les derniers numéros. Je pense que c'est aussi les plus badass. Donc, c'est quand même pas mal. Lui, c'est qui déjà? Ah ouais, Walu, je sais pas quoi en penser, honnêtement. En tout cas, ouais, franchement, bah, c'est cool. Là, on a vraiment. Vraiment atteint un cap sympa, et mis à part notre level qui reste encore un peu bas, c'est vrai, mais qui va snowball très rapidement puisque là on va se focus que là-dessus maintenant. Franchement, là on peut dire qu'on arrive vraiment vers le endgame hein, pour le coup, donc c'est plutôt cool. Ouais.